Salut tout le monde, c'est Spectrole, comment ça va? On se retrouve bien pour une nouvelle vidéo sur The Seven Deadly Sins Grand Cross sur la version globale. Bien sûr, je serai en live dès 18h sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas, venez nombreux, c'est dans la description. On va faire toute l'aventure ensemble de la collab de Stranger Things. Je ne sais pas comment on le prononce, donc je suis déjà désolé pour les puristes. C'est une série qui est donc sur Netflix, une série américaine, il y a une VF d'ailleurs dessus. Je n'ai vu aucun épisode, donc je vais me spoiler en tout cas en jouant du coup à cette DS, mais ça va être très cool. Et du coup je vais vous parler aussi du patch note, et on va découvrir du coup aussi les persos, parce que moi je connais pas c'est quoi leur statistique, qu'est-ce qu'ils font, attaque spé, passif, etc. Du coup on va tout découvrir dans cette vidéo. En tout cas, si vous kiffez les vidéos, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir, ça fait beaucoup avancer la chaîne, donc merci en tout ça à tous ceux qui en tout cas le font. Évidemment, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et cliquer sur la notif si vous ratez les notifications, tout simplement, et c'est gratuit. Hein, évidemment, on va pas parler du dev note évidemment, hein, parce que je l'ai fait dans une vidéo à part, bouton oui en haut à droite si vous l'avez raté. Événement de mention j'aime sur notre vidéo teaser, donc c'était version japonaise, version corée, dans les vidéos YouTube, etc. Il faut avoir à peu près 100 000 likes. Eux ils ont atteint les 100 000 likes. Combien de likes on peut atteindre dans cette vidéo? J'ai envie de savoir. Donc n'hésitez pas en tout cas à me montrer si vous êtes chaud ou pas. Le compte à rebours de la collab, donc c'était pendant 3 jours, des petites récompenses par-ci par-là. Annonce de la maintenance, et je vais pas vous en parler parce que du coup on va parler vraiment du patch note en question. Et donc on part sur le calendrier des événements. Et d'ailleurs je trouve ça super cool, c'est que les patch notes ont été un petit peu retravaillés visuellement parlant, et bah, ça c'est plutôt cool. Quand je vous parlais des battle events, vous avez vu à chaque fois ils le mettaient pas vraiment en valeur. Maintenant les battle events, pour gagner quelques petites gemmes à la clé, notamment des popos et des médailles SSR, ça fait plaisir parce qu'ils sont de plus en plus radins pour les médailles SSR, donc on crache pas dessus. Ça c'est vraiment très cool de ce qu'ils ont fait. Il y a des bonus sur les quêtes quotidiennes qui sont améliorés par rapport au chapitre que vous avancez. On est comme sur la JP maintenant désormais. Donc ça c'est plutôt intéressant. Un truc à dire avant que je continue le patch note, si c'est pas détaillé en tout cas dans le patch note en question, on a la nouvelle tour qui était disponible sur la JP. Malheureusement que 3 étages, 40 gemmes plus des petites récompenses. On a moins de récompenses qu'une tour qu'on connaît qui est donc un peu de gamme, et du coup c'est un peu moins rentable. Et pour ceux qui sont début de jeu ou ceux qui ont repris de jeu, ça va pas être si facile de faire juste ok que 3 étages, mais justement il y a des caractéristiques supplémentaires et tout ça. On se fera ça en live, vous inquiétez pas, on va faire un énorme live je pense sur The Seven Deadly Sins dès ce soir à 18h, hein. Je vous préviens, préparez les popcorn, préparez vous à manger, etc. Et peut-être quand justement les gens mangeront pour le ramadan, je serai toujours là en live, voilà. Alors, du coup, événement de croissance, voilà, une petite deux médailles SSR en plus, on crache pas dessus, ça fait plaisir. Et des petites stones comme ça, moi je kiffe, j'en ai besoin pour monter des stuff, c'est comme ça que je me fais d'ailleurs des diamants là-dessus. J'invoquerai hein, évidemment en live sur la chaîne Twitch dès 18h. Je sais pas si on fera tout le step, hein, très franchement. Je ne connais pas la licence, je vais me spoiler et je regarderai peut-être des épisodes sur Netflix pour voir ce que ça donne et tout. Alors pour les nouveaux lots, ça c'est un pack à 30 balles. Alors, des lots en super promotion apparaissent lorsque vous remplissez certaines conditions. Donc on a des packs qui sont payants en avançant dans le scénario. Combien ça coûte, j'en ai vraiment aucune idée. Ça a l'air d'être franchement très cher parce que c'est un full item attaque dev plus 600 enclumes. Je pense que ça doit être assez cher. Après, si vous avez déjà les prix, mettez-les dans les commentaires s'il y en a qui veulent savoir. Ça peut être plutôt cool. Ça c'est pour sélectionner un Seven Deadly Sins, voilà, ou un héros pour 30 balles. Je conseille pas, hein. Il y a vraiment des SSR un peu bas de gamme, vraiment ancienne génération, on est déjà dans les 1 an du jeu, donc du coup c'est pas très rentable. Alors par contre, ça je peux vous détailler les prix parce que je suis sur mon compte secondaire. Alors du coup le premier pack il coûte 27€, c'est rentable si voilà vous n'invoquez pas sur le portail tout simplement, vous voulez essayer d'avoir un lot
un perso SSR garanti. Attention, le shérif, donc qui est donc de type rouge, lui il est gratuit free to play en faisant l'ici cette mission comme à chaque célébration quand il donne des personnages. Donc ça fait un perso gratuit du coup sur les 4, c'est quand même plutôt intéressant. Il se retrouve bien sûr en portail, je ne connais pas le portail, on va regarder ça en live, il y a pas, et puis aussi dans la vidéo. Le lot de diamants de collaboration 1, il coûte 90€. Donc si vous êtes cash player, bah voilà, faites-le. Si vous êtes si vous pouvez pas, vous pouvez pas, il n'y a pas de souci. C'est un pack qui peut s'acheter qu'une fois. C'est quand même 300 gemmes pour ceux qui ont plus de rank up. C'est quand même assez incroyable. Si vous n'invoquez pas sur la collab Sanger Sings, peut-être que vous invoquerez sur O0 avec toutes ces gemmes là. C'est, ça dépend de vous évidemment. Ensuite on a le lot de diamants de collaboration 2 qui est donc à 43,99€, un peu moins rentable qu'un rank up classique, mais quand vous n'en avez plus, ça fait quand même, si je dis pas de bêtises, ça fait 445 gemmes. Donc si c'est un portail à 600, 600 moins 445, ça fait du coup 155 gemmes du coup à utiliser. Si vous avez envie en tout cas de faire le step entier, donc c'est un peu cher certes, mais si vous voulez en tout cas faire le setup et que vous kiffez, eh bien Sanger Sings, eh bien c'est plutôt cool. Donc franchement je conseille si vous êtes cash player évidemment. Ça, le pack payant, c'est quoi ça? C'est un pack à 27€, on peut l'acheter 3 fois. Je vous conseille pas évidemment hein, parce que les enclumes, si vous n'avez pas des bons effets, bah vous faites niquer hein, évidemment. Et les marteaux, bah ça part très très vite. Maintenant il y a des. Ça casse plus, donc c'est vraiment incroyable. Événement de la boutique de diamants, on peut acheter donc des packs. Ils ont mis aussi ces packs là. Ah oui, non mais en fait ils ont pensé à tout. Ils ont pensé que les gens en fait ils allaient mettre un smic dans la collab Sanger Sings pour ceux qui kiffent en fait. Attends, ils ont vraiment mis ça? Ah oui, ils ont enlevé Merlin. Ah oui, d'accord, bah vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter hein, si vous êtes riche. Si vous voulez faire des je sais pas, 3 steps là-dessus, voilà, mais attention, c'est pas gratuit, hein, ok. Donc ok, je pensais pas qu'ils allaient mettre ça, donc ils mettront ça à mon avis sur O0 avec peut-être des packs comme ça payant, je sais pas encore, en vrai, ok. Le lot de Sanger Sings ensemble d'invités Dawkins. Pour la petite anecdote, je connais juste quelques persos vite fait, donc lui c'est un shérif, il tape avec du coup un fusil à pompe. Donc apparemment il est god tier dans l'anime. La meuf qui s'appelle 11, plus elle utilise du coup ses pouvoirs et plus en fait elle saigne de la bouche. Donc bah du coup ça la fragilise. Mais du coup elle a des pouvoirs, donc c'est plutôt cool. Après les autres Gugus là, l'espèce de mage et le mec qui lance une épée avec son attaque speed, je ne sais pas ce qu'ils font. Donc si vous savez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais ne pas spoiler de préférence. C'est des packs à 27 balles, à 30 gemmes, il y en a énormément. Ah oui, d'accord, oui. Alors ça se retrouve pas en GM, c'est ce que je craignais même pour la collab du Rose Zero. Donc du coup, ce n'est que des packs payants en skin si vous voulez les jouer en PVP. Ça pique, hein, si vous voulez tout acheter. Oh là là, à mon avis, je pense que la banque ne va pas être très contente pour vous. Événement de monde de la collaboration Sanger Sings, bon bah c'est plutôt cool, c'est donc c'est une série donc Survival Horror, etc. C'est dans un univers assez apocalyptique, un peu effroyable, on voit franchement les créatures, ils rigolent pas. Hein. Et puis même quand j'avais vu le trailer en question, ça donnait vachement envie, et puis ça change de d'habitude, et ça fait du contenu. Donc on a les quêtes mondiales Sanger Sings pour gagner 8 diamants. Je rappelle, bonus de co, on gagne 30 diamants par rapport à la collab, il l'avait dit dans le dev note en question. Donc du coup 30 gemmes gratuites, 40 gemmes avec la tour, et puis aussi 50 gemmes PVP. Si vous faites du PVP en Oustov, ça fait quand même pas mal de diamants si vous voulez faire quelques multis pour tenter l'impossible. On a des costumes gratuits à farmer en faisant un espèce de mode histoire un peu à la SNK. Hein. Oui, un peu à la SNK. Ça ressemble énormément avec du coup les gemmes, le même plateau. C'est du copier-coller SNK, j'en ai bien l'impression. Donc voilà, on gagne des petites récompenses et tout ça. Est-ce qu'on pourra farmer ces fameuses pierres 5 étoiles pour se refaire comme SNK? Je sais pas trop, on verra en tout cas dans le live en question. Il y a un affrontement avec le flagelleur mental justement qui est vraiment le big boss qu'on voit dans la miniature en question. Du coup à mon avis lui il doit pas rigoler et du coup ça doit être un gros spoil parce que ça doit être fin de saison 1, peut-être fin de saison 2, je ne sais pas. Il y a peut-être 3-4 saisons, je ne sais pas encore.
Obtenez des diamants récompense de première réussite. Obtenez un max de 18 diamants finissant tous les niveaux. Ok, encore 18 niveaux supplémentaires, on crache pas dessus. Du coup, plus les 8 diamants qui sont ici. Donc mine de rien, voilà, ça monte, hein, mine de rien. Si vous voulez invoquer sur O0, le portail, j'espère juste qu'il n'est pas éclaté au sol. Sinon, je serais quand même déçu, même si j'invoquerai en live ce soir. Utilisez vos héros le plus puissant pour augmenter les niveaux. Ok, très très bien, terminer le niveau, pardon. 3 fois par jour, une fois par jour, etc. On a du coup ce truc là. On a des costumes gratuits. On a des doublons super éveil. Dans votre courrier vous avez 100 doublons super éveil comme sur la version JP. Donc ça c'est bien, ils nous ont respecté. Parce qu'il y a le Super Awakening 5. Donc on peut éveiller au dessus de 10 étoiles maintenant. Donc en 11 du coup. Médaille SSR, ok, des costumes, tac tac tac, ok. On voit rien, mais à mon avis on regardera ça en live de toute façon. Vous avez terminé, Flégeur Mental est considéré comme un boss d'affrontement normal. De ce fait les compétences uniques spécifiquement ne sont impliquées. Donc 3 fois par jour, on peut aussi acheter avec la boutique shop classique. Très 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 bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Événement de collaboration, alors je sais que j'ai entendu qu'il y avait des roulettes et tout ça. Il y a une multi gratuit offerte, évidemment, comme chaque collaboration. Donc Rosero du coup en tiendra, ça sera possible du coup, ça c'est plutôt cool. Le perso gratuit que je vous avais dit, le shérif qui est donc rouge, est-ce qu'il est si intéressant que ça? On va checker, invoquer sur le portail de tirage unique. Ah, on va pouvoir voir ça va être quoi les persos. Donc voilà, faites-le, hein, il est gratuit, free to play. En plus on peut avoir des costumes gratuits. Pareil, là encore on peut avoir des costumes, des petites récompenses, surtout des revêtements, on crache pas dessus. Des petites babioles, tout ça. Oh, ils ont remis le truc avec Hawk ou avec Merlin pour avoir de la chance. Si vous avez de la chance, bah voilà, vous gagnez 13 diamants. Moi j'ai jamais vraiment eu ça, mais bonne chance à vous en tout cas. On peut ouvrir 9 coffres au trésor, etc. Donc ça c'est pas nouveau. Événement de récompense du chapitre terminé. Ce n'est pas des gemmes comparé à la dernière fois, donc on se fait un petit peu bait, mais une petite étoile super éveil, ça on crache pas dessus. Oh, ils ont remis une fois par jour là avec la Elisabeth, ok, très très bien, pour avoir des médailles CCR un peu plus facilement, on prend. Il y a un step-up, plus tu dépenses de gemmes, plus ils te font de cadeaux. Ok, ok, ça donne envie évidemment, parce que moi les enclumes j'en ai plus beaucoup. Et d'ailleurs, le donjon éphémère pour farmer les doublons super éveil est disponible. Donc c'est soit vous farmez des enclumes, soit vous farmez des médaillons super éveil. Donc bonne chance à vous et faites attention du coup à bien gérer vos diamants. Et d'ailleurs un petit truc à noter, c'est que la boutique shop au niveau des costumes en question est partie. Et donc on ne peut plus acheter ces costumes moins chers, au lieu de 30 passer à 20, de 15 à 10, etc, etc. Donc ça on est un petit peu niqué, une nouvelle roulette, voilà, on se régale en termes de récompenses. Donc franchement On crache largement pas dessus. Je viens de me réveiller, donc je suis un peu la tête dans le slip, dans le calbar. 4 nouveaux héros, alors du coup. Ah, ça s'appelle 11, du coup c'est elle. Jim, je ne sais pas c'est qui. Mike, je crois c'est le fragile. Et Whitebeard, ça doit être lui. Je suis pas sûr. Ça c'est bien parce que les persos sont 86 étoiles directement. Ça nécessite pas de médaille CCR, comme j'ai dit. Ils sont radins de fou en ce moment. Donc ça c'est plutôt cool. J'espère que Rosero fera la même en tout cas. Oh là, oh là 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 là. Que vois-je? Qu'est-ce que c'est que ce portail? Ça pue sa mère là. Attends, il y a combien de persos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. T'as une chance sur 14 sites, hein, SSR d'avoir le bon en tout cas. Et surtout, faut pas tomber sur le free-to-play, à moins que tu veux monter sa spé, mais... Oh, le portail est catastrophique. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais, bah c'est comme Rosero, c'est le portail, il est désastreux. Il faut juste toucher la collab en fait. D'accord, ok, mais le Dasbe démon, Spécis, voilà, Matrona verte, voilà, si j'avais pas Spécis, c'est bien pour le sub, meilleur que la Matrona bleue, évidemment. Ban bleu, bah voilà, pour les démons rouges, Elisabeth Kamikaze peut aider sur certains trucs, Elisabeth Hawk, bon, bah voilà, c'est... J'ai Spécis, c'est ce qu'il y a dans Spécis, ce truc, il peut être cool pour les démons rouges, à la limite, Merlin rouge, elle était cool pendant un temps, mais voilà, on s'en sert plus, King Verb a été bien pour les démons gris, maintenant, il y a Loli Merlin, du coup... On passait aux oubliettes et Gozor bleu, c'est la gemme inconnue avec Rosero me semble-t-il, donc du coup, portail est désastreux, c'est cool ça. Ça donne moins envie d'invoquer là tout d'un coup en live, hein. Oh, aïe 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 aïe, d'accord, très 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 bien. Que fait-on, que fait-il au niveau des personnages? Donc si vous avez 3 doublons, eh bien vous pouvez avoir un exemplaire d'un autre personnage, évidemment.
Possible de faire l'échange 3 fois pendant l'événement. Très 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 bien. Pourquoi il faut sacrifier du coup Attends, tu sacrifies des doublons de perso fesses pour avoir des doublons super éveil. Vous foutez pas de ma gueule là quand même. Aïe aïe aïe, il croit vraiment qu'on veut des doublons super éveil dans ces conditions là. Ah, ok. Je vais pas vous montrer l'SP parce que ça doit être copyright sur Netflix évidemment. Alors que fait ces cartes là, parce que je ne connais absolument pas ce que fait du coup 11. Psychokinésie, inflige des dégâts à frappe puissance, dégâts supplémentaires égaux à la résistance de l'ennemi. D'accord, elle inflige quand même 475% de l'attaque à un ennemi, très très bien. Elle inflige dégâts infligés moins 12% par ennemi en combat. Ouais, sur le papier c'est un petit peu bizarre. L'aspect, elle inflige des dégâts égaux à... Ah, et quand même, 780% de l'attaque à un ennemi, elle restaure... Hein? Elle restaure 40% des PV infligés en PV. Attends, quoi? Elle restaure 40% des dégâts infligés en PV à tous les alliés. Ah oui, quand elle part en SP, c'est la régalade quand tes persos sont un peu dans le mal. Hein. Ok, augmente de 40% les dégâts causés aux ennemis par le héros. C'est énorme. Ah, attention. Les PV restants diminuent de 10% après chaque compétence utilisée. Donc bah, plus elle utilise du coup ses pouvoirs comme j'avais dit précédemment, plus elle va saigner. Donc du coup ça respecte bien le perso. Est-ce qu'il va être si rentable que ça? Je sais pas du tout. Elle est de type bleu. D'accord. Ensuite on a Mike Wheeler. Ah donc je m'étais trompé, c'était pas lui. Lui il lance une épée. Il réduit les stats liés aux soins, il applique infection pendant 2 tours à 3 étoiles, 360% de dégâts, il inflige des dégâts égaux à 500% de l'attaque à un ennemi, il remplit la jauge de cooldown de 2 orbes du coup propre à lui, très très bien, il nullifie les bonus et les postures, ça empêche toute action, il inflige 735% de dégâts, ouais, et il applique un stun pendant 2 tours. Ah oui. Ah quand même. Ah c'est pas dégueu hein. Lorsque l'héros inflige des dégâts à un ennemi avec une attaque à cible unique, donc en single target, il applique un effet qui réduit les stats offensives de 30% pendant 2 tours. Ça me fait penser un petit peu à la Lilia justement qui fragilise un peu ses victimes, la Lilia verte avec son arc et tout ça. D'accord, ça a l'air d'être pas mal. Mike et 11 en tout cas a l'air d'être cool pour le moment, du moins sur le papier hein, évidemment. Ensuite on a Willsbeer, ah, donc je m'étais trompé aussi, c'était pas le shérif. Inflige des dégâts égaux à 450% de l'attaque à un ennemi, il empêche le remplissage de la jauge de cool team pendant 2 tours. D'accord, donc j'imagine que c'est un tour à 2 étoiles. Ça inflige des dégâts de déluge, 0,8% de dégâts supplémentaires pour chaque pourcentage de PV restant. Ça n'a pas l'air si ouf que ça. Inflige des dégâts de lésion, ça augmente les chances crit x 3, 630% de l'attaque à tous les ennemis. Ah c'est en AE, ok. Lorsque les PV d'un allié tombent en dessous de 50% après utilisation d'une compétence d'ennemi, toutes ses stats sont réduites de 20%, sa jauge de coup ultime est scellée. Elle applique un effet de surpuissance à l'allié qui l'immunise contre tous les dégâts pendant un tour. Ah ouais. Ah c'est... Ils avaient dit que les persos des collabs deviendraient de moins en moins nuls en tout cas pour donner envie aux gens d'invoquer et du coup que la collab, bah voilà, les gens se fassent plaisir là-dessus. Ah oui, quand même, tous les alliés reçoivent une fois un effet de surpuissance à l'entrée du combat, nanana. Donc sur Wii, lorsque les PV tombent, nanana, ça ils expliquent un peu plus les détails. Ensuite on a Jim Hooper, le shérif. Alors lui c'est free to play, il inflige des dégâts égaux à 450% de l'attaque à un ennemi. Ah, il réduit la jauge de cooldown de 3 orbes, à mon avis 2 étoiles ça sera 2 orbes, c'est pas mal. Il nullifie les postures sur un ennemi, il inflige des dégâts égaux à 250% de l'attaque, puis applique étourdissement. Bah lui aussi il applique étourdissement pendant 2 tours. Ah ouais. Inflige des dégâts de faiblesse à 170% de l'attaque à un ennemi, dégâts x 3 aux ennemis qui souffrent de malus. Ok. Oh là, c'est quoi ce passif à rallonge? Au début du tour allié, applique aléatoirement coup direct à 2 ennemis pendant un tour. Qu'est-ce que c'est coup direct? Les ennemis avec l'effet coup direct subissent 40% de dégâts supplémentaires, ainsi que l'effet empoisonnement. Hein? Attends, quoi? Il inflige coup direct qui subissent 40% de dégâts supplémentaires à 2 ennemis. Alors je pense pas que c'est toi qui choisis, ça doit être aléatoire. Et ça empoisonne pendant un tour lorsqu'ils sont attaqués par des héros de collaboration. Wow. Oh, ils ont l'air énervés quand même certains persos. Hein. D'autres ont l'air un peu moins rentables, mais... Et masque cosmétique de fer ne s'affichait pas correctement, du coup ils ont fait un patch.
Eh ben, dis donc, c'est... Ok, ça a l'air d'être quand même assez prometteur sur le papier, en tout cas, après avoir ce que ça donne en jeu, quels sont les stuffs du coup conseillés, on testera ça en live, et si vous avez les persos et que vous avez déjà fait les stuffs, n'hésitez pas en tout cas à donner vos astuces dans les commentaires. Je vous retrouve à 18h sur ma chaîne Twitch, dans la description dès 18h, le lien est en description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et pour ceux qui veulent checker les rediffusions, eh bien pour regarder mes anciens lives sur Twitch, il faut être sub à ma chaîne Twitch ou claquer votre Twitch Prime, c'est gratuit pendant un mois tout simplement. Aussi un dernier truc que je voulais dire, je vais sûrement recevoir le New Pokémon Snap de la part de Nintendo et la boîte com. On en fera du coup des lives dessus, du coup pour en faire la promotion. Et je vais découvrir Pokémon Snap parce que j'ai pas joué à la version 64 de l'époque. Je vais sûrement recevoir pardon, Resident Evil Village, donc on fera Resident Evil 7 avant, qui est en vue FPS. Je vais beaucoup flipper ma race. On continue bien sûr Inazuma Eleven Chronostone Tonnerre d'ici quelques jours. Je vous dis pas la date, comme ça faut me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Discord. Pardon. Qu'est-ce que je fais d'autre? Yokawatch Puni Puni, Mushoku Tensei de temps en temps, 7DS évidemment le mardi. Peut-être on retournera sur Phasmophobia, il y a une nouvelle match depuis. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne Twitch. Merci à toutes les personnes qui sub surtout en ce moment et qui font énormément de donations. Les 150 balles qui font plaisir, ils se reconnaîtront évidemment. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas voilà, à liker, commenter, vous abonner, cliquer sur la notif. Et on se retrouve dès 18h en live sur la chaîne Twitch pour la collaboration de Sangassi. On va invoquer et on va claquer aussi surtout les tickets de Denzel, je crois que c'est un taux de 6 d'avoir un SSR, et ça je les ai pas claqués, j'invoquerai sur le portail privé, mais ensuite je claquerai les tickets. Voilà, gros bisous, salut tout le monde.